Et coucou tout le monde, c'est Laola, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Arc Scorchers. J'étais malade, je ne le suis plus, donc ça c'est un véritable bonheur. Je vais pouvoir refilmer des vidéos, etc. Donc ça je suis contente. Par contre, mauvaise nouvelle, il manque quelqu'un à l'appel. Et oui, c'est le Morelatops. Il s'est fait défoncer dès que je suis arrivée, dès que je me suis connectée, il s'est fait défoncer par un smilodon. Donc après ça va, les trois ont réussi tant bien que mal à s'en dépatouiller, mais c'est quand même assez compliqué. Alors du coup j'ai appelé ma grosse bébête Fiona et je vais appeler mon loup aussi d'une manière, parce que vous m'avez du coup donné des noms dans les commentaires sur ma dernière vidéo et on m'a dit du coup Windy. Je vais mettre en majuscule. Et voilà, Windy et Fiona. Voilà, c'est pour les oreilles Fiona. Ça fait penser à Shrek, les petites oreilles. Et franchement, j'ai bien aimé l'idée. Voilà, alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons tout simplement tamer une petite limantria. On va se faire du coup une petite selle et on va essayer du coup d'explorer tant bien que mal la map, la carte, tout ce qu'il y a autour de nous. Avoir du cristal pour pouvoir créer les créatures et tamer d'autres créatures. J'aimerais bien Raptor, s'il vous plaît, parce que les Raptors, c'est facile à tamer. Du coup, pour la selle de la limantria, je l'ai déjà fait, c'était dans le dernier épisode. Donc voilà, donc c'est parti, on y va, je vais manger un petit peu. Vraiment c'est la petite maison de départ, mais on va pas rester par là. Aussi il y a l'event de Noël. Et regardez là-bas ce qu'il y a. C'est un petit gerboa de Noël. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tamer. Petit gerboa de Noël. Et voilà. Je pense que les gerboas, concrètement, en tamaient à peu près tous les jours. Voilà, on en perd beaucoup depuis le début de l'aventure. Voilà, il y a toujours quelque chose qui va pas. Ah bah nickel. En tout cas, voilà, on a notre petit gerboa. Là, moi, j'aimerais bien une petite limantrière neutre. Et toi, du coup, on va essayer de te tamer vu que l'autre, il est parti. Est-ce qu'il va bientôt tomber ? Oui, nickel. Voilà, comme ça on aura un Morelatops pour boire tout ça, étant donné que l'autre on n'a même pas eu le temps de s'en servir. Ouais, bah pff, mon Morelatops il va pas faire long feu non plus. Hein. Allez, poulet là. Ah bah voilà, c'était sûr. C'était sûr. À l'aide! Laisse-moi monter, merci. Il est où? Ok, bah encore une fois, on a tout perdu. C'est une véritable galère, les gars. Non, mais j'en ai marre, j'arrête de tamer, là. Je n'en peux plus. Faut absolument que j'aille réparer mon arbalète. Et puis, je vous retrouve quand j'ai une limantria ou quelque chose. Quand je repars à la guerre, quoi. Ok, donc, les amis, du coup, je suis retournée chez moi. Je me suis remis bien. Il est level combien, lui? On va essayer. Oh là là, c'est quoi ça? C'est quand qu'il part en torpeur là? Ah c'est bon. Oh non. Allez, 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 allez. Ce serait bien de l'avoir. Allez, allez. S'il te plaît. Ok. Ok. Donc ça, c'est good. Il y a un Carnot juste à côté. Tu vas aller le défoncer, s'il te plaît. Quoi? Ah, tu vas te calmer, oui? Ah bah, il se vole à poil, lui. J'aimerais bien... Merci. Allez.
Ah, il fait mal, hein. Ok. Hop là, nickel. On va pouvoir du coup ravoir une pombette. Ok, j'ai un nouveau niveau, donc je vais le mettre dans la vie. Oh, il y a un raptor là-bas, c'est super. On va se le tamer. T'es level combien, toi? 35. Vraiment, on va pas retamer. Ah. Oh, au ralenti, c'est trop stylé. Mais non. Non, 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 non. Mais putain, non. Le seul raptor que j'ai, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde se bat, là? Non, mais pourquoi les paracés se battent entre eux? Aïe, aïe, aïe. Ah, mais y'a re le déodon qui est là, quoi. C'est une grosse blague. Bah, comme ça, lui, il va mourir. Bon, Fiona. Suis-moi. S'il te plaît. Voilà, toi tu meurs. Oula. Et voilà, il a tué. Alors, j'ai un Pumba qui attend d'être tamé, là. C'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Non, mais il revient se venger? Non, ma maison! Non! Il revient se venger, ce traître! Non mais sérieux, mais alors toi? Mais meurs en fait, meurs! Mais t'es qui toi? Meurs! Voilà, c'est bon là. Bon bah il ne reste que mon gerboa avec moi. C'est un véritable plaisir. Ok, ma pumbette. Donc je crois qu'elle est juste en dessous. Oh my god, il y a un kangourou de Noël. C'est pas beau hein, toutes ces couleurs. C'est quoi que j'entends encore? Voilà, s'il te plaît. Attaque-le. Nickel, Pumba. C'est bien, ma Pumbette. Allez, ça, c'est bien. Ça, je retrouve ma petite... Alors, ça, c'est Pumbette. Allez, on va essayer de se refaire une Limantria. J'en peux plus. Ah, niveau 15. Allez, je vais y arriver cette fois-ci. Oh, non. Oh, sérieux. Merci, hein. Vraiment génial, hein. Bon, bah, il me l'a tué, c'est pas génial, ça, hein. Et toi, du coup, hop, bah, tu vas manger, je vais te tamer, du coup. On va aller faire une salle de raptor. Et voilà, les amis, du coup, j'ai un niveau assez élevé pour avoir une petite selle de déodon. Et j'ai fait une selle aussi pour le raptor. Je pense que je suis un peu mieux équipée, là. S'il faut, je me retame un autre raptor, hein, clairement. Y a pas de problème. Du coup, toi, bam. Nickel. Bon, de toute façon, nous, on va tourner ici. On va voir un peu ce qu'il y a. On va essayer de prendre de la hauteur également. Ok, oiseau terreur, etc. Voilà, donc on va siffler neutre. Là aussi. Un peu de chitine. Et là-bas, il y a un oiseau terreur. Je sais pas combien il est. Niveau 35. On va essayer de le tamer. Ok. Non, 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 non. Non, pars pas.
te plaît, pars pas. Oh non, j'ai été tamée. Oh non. Sérieux? Ah là, concrètement, c'est nul, là, ce qui se passe. Ok, les amis, du coup, après maintes et maintes fois, après plein de tentatives, du coup, j'ai pu reprendre mon stuff. C'est chaud, hein. C'est clairement... C'est très, très chaud. Mais voilà, c'est la vie. Oui, 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 je sais, petit gerbois. Donc, j'ai pas perdu mes trucs ou quoi. Ils se sont bien défendus, donc ça, c'est bien. Donc, voilà, on va prendre un petit peu de la hauteur et on va voir un peu ce qu'on peut avoir. Raptor, qu'est-ce que tu fais, là? Oh là là, il est parti se battre. Aïe. Oui. Oh my god. Des troudons. Atroce. Oh là là, truc de ouf, encore une fois, là, des troudons. Première fois que je me fais attaquer par des troudons, quoi, c'est atroce. Ah, c'est la grosse fiesta, là, clairement. Oh, un loup. Un loup 15. Voilà, nickel. Bon, on ne voit rien, mais il faut qu'on continue d'avancer. C'est parti. Nickel! Oh, vous êtes trop fort! Oh, il y a un loup! Aïe! Oh là 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 là! Oh non! Mon loup! Mon raptor, je veux dire! Non! 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 2 hours later. Ok, les amis, du coup, je retame un loup. Ça, c'est vraiment des timings faciles. Un loup level 50. Ça pourra nous aider. Nickel. On a tué plein d'oiseaux terreurs, etc. Je peux vous dire que là, on a fait un peu de route. On va attendre ici que notre petit loup se tame. Et puis, on va continuer un petit peu la suite de l'aventure. Et franchement, le Déodon, c'est hyper, hyper cool. Ok, notre petit loup est presque tamé. Du coup, je vais lui redonner le prénom Windy parce que l'autre loup n'a pas survécu assez longtemps. Enfin, en plus, c'est une femelle. Donc du coup, pour ma petite abonnée qui m'a donné ce prénom, au moins, voilà, c'est... Le prénom dure un peu plus longtemps, quoi. Donc là, le but, c'est de trouver une sorte de montagne qui va nous permettre d'avoir du cristal. Allez, niveau 15 d'Imantria, c'est parti. S'il te plaît. Oh mais... Mais tu m'as poussé toi. Donne-toi moi. Mais je les kill. Mais comment ça se fait? Comment je fais pour tamer ça? Oh non mais c'est dingue. Alors c'est peut-être trop fort du coup les flèches que, comme j'ai. Je vais jamais y arriver. Oh regardez là-bas on a un petit émetteur. Donc on va aller voir ce que c'est. Là on doit avoir des notes quelque part. Je sais pas où, mais il doit y avoir des notes. Ah là. Des jours durant, j'ai prié pour la compassion d'Ator et les pouvoirs de guérison de Sekhmet. Et des jours durant, j'ai attendu. J'ai foi qu'ils m'ont entendu. Lorsque j'ai posé les yeux sur lui, j'étais persuadée qu'il était mort. Mais les dieux ne m'ont pas encore enlevé John d'Akeia. Mon esprit sait que j'ai d'autres responsabilités à assumer et que je ne peux me permettre de rester plus longtemps dans cette pièce. Pourtant, je sais que si j'essaie de vaquer à mes devoirs, mon cœur interférera et je ne peux pas le négliger. Plus maintenant. Ok, donc ça c'est Raya. Très bien. Donc on va aller par là, on va essayer de se rapprocher d'une montagne pour avoir ce qu'il faut en matière de cristal. On a un Tilacoléo. Ouais. Ok, bah attaquez-le alors. Mais il est rose. Je le voulais trop. Mais il est level 20. Nice. Ok, alors ça fait un peu peur quand il saigne comme ça. Hein. Là, ici, on a des griffes de Tilacoléo. On va en garder. Waouh! Quelle écusse! Je pense que ça serait vraiment super cool de se faire plusieurs bases. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok, les amis, du coup, j'ai réussi sur une niveau 10 à la faire dormir. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, j'étais pas en rec, donc le temps que je m'aperçoive que du coup, j'étais pas du tout en rec.
qu'il fallait que je remette le rec, etc. Parce que du coup, c'est beaucoup d'aventures et ça risque d'être long si je condense pas ça en une seule vidéo. Et du coup, bah, j'ai la selle sur moi. Donc du coup, on va pouvoir voir ce que ça donne. Au cas où, comme je suis un peu loin de chez moi quand même, hein, on doit se l'avouer, je vais me mettre deux lits ici. Et ça serait bien du coup que je puisse voler avec ma petite limentrière. Ça serait cool. Alors, vous voyez la montagne là-bas, c'est là-bas qu'on doit aller du coup pour trouver du cristal. Pour avoir la spyglass, ça sera beaucoup plus simple. Alors, je pense que pour le moment, du coup, comme c'est là-bas qu'on doit aller, on va se rapprocher d'un point d'eau qui est le plus proche de la montagne pour pouvoir s'y installer, pouvoir faire plusieurs maisons. Ça, franchement, ça peut être hyper, hyper, hyper cool. Comme ça, si on doit aller d'un point A à point B, bah au moins, on a une petite maison, on a des lits, etc. Ça sera plus simple parce que franchement sur cette map l'exploration est un peu hardcore, surtout bah au début hein, forcément après je pense que ça ira tout seul, mais c'est vrai qu'au début quand on a rien du tout c'est un peu compliqué de se faire. En tout cas si c'est pas déjà fait n'hésitez pas à liker cette petite vidéo. Et voilà, j'ai enfin ma petite limentrière. Par contre elle a plus trop de vie donc je vais la faire régénérer un petit peu. Elle a que 300 de vie. Non mais te pose pas là. Oh là là, ça va être encore quelque chose. Pas trop loin, pas trop loin, pas trop loin. On va lui mettre sa petite selle, on va lui mettre de quoi manger. Est-ce que tu peux me porter là? Ouais, ok. Je vais te mettre dans le poids. Et c'est parti du coup. Oh my god, c'est trop bien l'alimenterie. Allez les gars! Ah bah l'exploration sera plus facile comme ça en tout cas. Plutôt pas mal. Alors venez, on va aller tout là-bas. Faites pas attention à ce qu'il y a autour. Là, il y a deux loups. Faites pas attention. Venez, allez hop. Ah, il y a un loup qui... Ah non. Allez les gars. Nice. Bah, suivez-moi maintenant. On reprend. Ah bah non, me suivez plus du coup. On reprend plus. Allez, fatiguée ma petite Fifi. Oh non, trop chou. Je meurs avec le Nogline les gars. Avec le Nogline, c'est trop chou. Allez. Non mais qu'est-ce que je fais? Je fonce dans les loups. Oh non. Oh non. Wendy! Wendy est morte. Non! Ok, donc les gars, bah, j'ai un peu tout perdu. C'est atroce ce qui se passe. C'est atroce. Tout le monde est mort. Et voilà, tout simplement. Donc c'est parti, on va continuer, Nag. Ah là, il y a un point d'eau, donc c'est plutôt pas mal. Mais il faut voir c'est quoi qui s'y baigne. Il y a des loups, il y a plein de trucs comme ça. Plein de smilodons autour. Du coup, je pense que je vais mettre deux lilas. Ça va être plutôt pas mal. J'ai de l'eau et tout et tout. Donc je vais pouvoir me faire une petite base juste là. Ok les amis, du coup, voilà, j'ai reconstruit une petite maison. Enfin, une petite base devant l'eau. Donc ça, ça va être carrément mieux. Faut que je fasse un escalier, tout ça, tout ça. Mais ça va être carrément mieux. Mon coin mortier, mon coin lit. Bon, faut que je me fasse un lit. Là, également, du coup, mes forges, etc., etc. Et du coup, oh my god, les hyènes. Autour, c'est assez dangereux, mais on va y arriver, d'accord. Il va falloir que je me retame des choses. D'ailleurs, je me suis fait une petite marmite. Ah, d'ailleurs, faudrait que je me fasse un lit. Parce que là, j'ai pas encore de métal. Bon, je peux en faire qu'un parce que j'ai pas assez de branchage, mais avec mes trucs là ça va le faire. Ok, donc c'est parti, on va essayer de tamer à nouveau quelque chose. Voilà, je me suis refait des bolas, tout ça tout ça. Alors là bah, de toute façon c'est toujours accompagné d'oiseaux terreurs, de smilodons, de hyènes, tout ça tout ça. Alors regardez, est-ce que vous voyez comme moi, il y a une petite limentria ici. Donc on va attendre qu'elle se pose et on va essayer du coup de la tamer. Ok, donc les gens, j'ai réussi du coup à la tamer. Je suis plutôt contente, j'ai la selle sur moi, tout ça, donc je vais attendre encore une fois de la voir et puis du coup on ira à la montagne. Va falloir que je mette un point par contre à cette petite maison parce que sinon je vais me perdre. Ok les amis, du coup on se retrouve ici, j'ai enfin ma limentria et mon petit raptor. Je suis assez contente, du coup on va pouvoir aller dans les montagnes et peut-être prendre du cristal. Ok les amis, du coup ça va être un peu chaud là avec pour le raptor. J'espère qu'il va pouvoir monter. Oh my god, il y a du cristal. Et ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Yes. Ok, du coup je peux faire plein de cryo. Et je peux par exemple cryo mon petit raptor. Et ça je suis juste trop contente. Je suis trop contente, j'ai enfin ma alimentria, je suis juste aux anges en fait. Je suis aux anges. Donc là il y a de l'obsidienne.
il y a du métal. Oh là, il y a un golem ici. Oh my god. Alors non, c'est pas vraiment ce que je veux. J'ai enfin ma limentria, quoi. Je suis juste trop contente. Je ne vois plus rien. Et tout ça, franchement, pour aller farmer et tout, c'est plutôt cool. Ok les amis, du coup, je suis revenue avec mon petit cristal. Et du coup, je peux me faire ma petite spyglass, enfin. Je suis juste trop contente. Donc je pense que ma base principale, elle va être juste ici. Ah oui, et au fait, j'ai oublié de vous dire, j'ai retamé un petit gerbois. Il faut absolument que je me fasse un toit, mais bon, ça va être dans le prochain épisode. Je pense qu'on a pas mal bossé du coup. Je vous ai cuté plein de trucs, plein de moments, parce que c'est pas évident. C'est sur plusieurs heures de jeu, tout ça, donc... Voilà, et puis Scorch, je meurs beaucoup quand même, donc... Et ben voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo. On avance doucement, mais sûrement. En tout cas, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Ah ben voilà, je brûle. Je vais me mettre dans ma petite tente. Parce que sinon je pense que ça va trop le faire. Et c'est toujours sympathique. Non franchement c'est hyper dur Scorch. C'est hyper chaud et du coup voilà, obligé beaucoup de fail, obligé de beaucoup cutter. En tout cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.